Marriage Story, Lucy, Jojo Rabbit ou encore Avengers. Scarlett Johansson est à la tête d'une impressionnante filmographie. Tout a commencé après la révélation de l'actrice dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Mais les cinéphiles les plus aguerris savent bien qu'il ne s'agit pas de la première apparition de Scarlett Johansson à l'écran. En effet, un an plus tôt, l'actrice tenait un petit rôle dans un autre film chouchouté par le box-office, Maman, je m'occupe des méchants, sorti en 1997. Dans une interview avec People parue ce 15 avril, l'actrice explique être en plein marathon de films des années 1990 avec sa fille Rose, née de son union avec le publicitaire français Romain Dauriac. Et Scarlett Johansson avoue avoir été particulièrement excitée à l'idée que la petite visionne enfin Maman, je m'occupe des méchants, pour qu'elle ait la surprise de découvrir sa mère à l'écran. Mais malheureusement pour l'interprète de Black Widow, la surprise est retombée comme un soufflet. Je voulais qu'elle scène rende compte d'elle-même, avoue la comédienne, amusée. Mais bien évidemment, elle n'a pas tilté, car comment pourrait-elle me reconnaître à 11 ans? Alors je lui ai dit qui est-ce. Et elle m'a répondu toi? Scarlett Johansson, folle amoureuse de Colin Jost en couple depuis 2017 avec l'humoriste et écrivain pour SNL, Colin Jost, Scarlett Johansson a dit oui à son cher et tendre en octobre 2020. Un an plus tôt, elle avait déclaré sur la scène de Saturday Night Live « Je veux juste dire que cet endroit signifie beaucoup pour moi, j'ai tellement d'amis ici et si est-ce qui aussi ici que j'ai rencontré l'amour de ma vie avant d'embrasser son fiancé devant la caméra. » Il s'agit du troisième mariage de l'actrice. Espérons que le fameux dicton dise vrai.